Je suis Sarah Marcato, déléguée aux droits des femmes et à l'égalité de l'ISER. Alors moi, mon rôle, c'est de coordonner l'action des différentes institutions, donc des services de l'État, des collectivités territoriales, mais aussi des associations, autour de la mise en place de nouveaux dispositifs qui soient adaptés aux besoins du territoire de l'ISER, comme aujourd'hui, par exemple, lors d'un colloque sur la prostitution des mineurs. Tout ce qu'on met en place aujourd'hui en ISER, c'est vraiment pour les aider, pour vous aider. Les réponses à apporter à ce type de problématiques seront forcément collectives. Donc le droit des femmes en Isère, c'est 271 places d'hébergement d'urgence dédiées aux femmes victimes de violences et à leurs enfants en 2023. Et c'est aussi un maillage associatif très dense, avec des associations qui portent à la fois des dispositifs classiques et des dispositifs très novateurs. Si vous êtes victime de violences, n'hésitez pas à en parler.